Salut à tous, c'est Xdream et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour avoir Fraps gratuitement. Alors donc vous allez sur le lien dans la description. Voilà, vous allez sur le lien dans la description, vous téléchargez Fraps 3.5.9 by Reed 3R27. Voilà, donc vous avez le fichier setup, donc ça marche aussi bien sur XP comme sur Windows 7. Donc, vous l'ouvrez, vous le lancez, vous faites I agree, next, enfin vous créez, vous mettez ça dans, admettons vous allez dans les documents, programme file, donc vous pouvez, je vous conseille de faire, moi, c'est dans disque local, enfin ordinateur, donc votre disque dur, vous avez le programme file, vous faites un nouveau dossier, que vous appelez Fraps, voilà. Vous l'appelez Fraps. Voilà. Ensuite, donc vous lancez le setup. Voilà, vous lancez le setup. Donc, vous faites I agree. Vous allez dans Programme File, vous mettez Browse. Hop, vous sélectionnez Programme File Fraps, Next et Install. Donc, vous avez les, donc vos programmes, tout ça. Donc, vous le nommez. Donc, vous l'appelez Fraps. Si vous voulez l'appeler Fraps, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Donc, donc maintenant l'utilisation. Donc pour l'utilisation de Fraps, donc vous allez avoir ça quand il sera installé. Donc Fraps, voilà. Vous l'ouvrez. Mais attendez. Voilà. Donc l'adresse mail, donc qui n'est pas la vôtre. Donc les registrations. Donc voilà. Version 3.5. Point 9. Donc ici vous ne laissez, vous laissez bien ces paramètres là. Fraps Windows Always on Top, parce que si vous mettez l'autre ça va démarrer Fraps quand vous allez démarrer votre ordinateur. Donc les FPS, donc vous choisissez dans quel coin vous voulez qu'ils s'affichent, donc c'est les petits numéros à cet endroit là. Voilà, donc les raccourcis clavier, les dossiers, donc programme file Fraps, donc dans le dossier Fraps il y aura certains dossiers, là vos raccourcis clavier si vous voulez mettre F8, F9, donc vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille de filmer en 60 fps full size pour une très bonne qualité, pour une bonne qualité en 50 fps et après en 30 fps. Donc voilà, donc là le temps, vous touchez pas à ça, vous ne touchez surtout pas à ça, voilà. Vous ne touchez pas. Donc ensuite là, vous pourrez enregistrer qu'un micro, record sound, et voilà. Donc ensuite les screenshots, c'est pareil. Donc pour changer les dossiers de destination, vous cliquez soit là-dessus ou sur change. Voilà. Pour voir après la vidéo que vous aviez, vous cliquez sur view. Voilà. Et donc là, ça vous donne où est-ce que est votre vidéo ou votre screenshot ou truc dans le genre. Vous arrivez dans les programmes file. Voilà. Donc c'est tout. Si vous avez aimé ce tuto, donc laissez un petit j'aime et puis abonnez-vous. Merci.